Bon, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Je suis parti faire un coup du soir. Il y a Alex de The Fisher Box en flotte qui est juste devant, mais je vous montre après, il y a du soleil là. Et il y a Aminiac. Laisse-moi tranquille là, on peut pas pêcher tranquille là. Le Aminiac, il est là. Et Alex, il est là-bas. On est sur un petit lac et on va essayer de pêcher du bass. Voilà pour le programme. On va chercher du bass. Petit babbling shaker de chez Heinz. Super l'heure. Un joli petit poisson, un joli petit bass. Hop là. On a des sympas, hein. Oh! Belle tape. Il a lâché de suite, j'ai pas géré. Je lui ai pas laissé du mou, il l'a senti. Dans les arbres, il y a des chasses là. Ouais, il y a du dans l'angle. Ouais. C'est vraiment le genre de pêche à faire les yeux fermés, quoi. Ouais, c'est ça, c'est au doigté. C'est que au doigté et quand ça part, parfois ça part discret. Pour le sentir, c'est pas évident. Ah, il a tapé dedans là. Ouais. Oh, j'ai ferré beaucoup trop tôt. Là, c'est 2-3 secondes de décalage qu'il faut mettre. Ah. Voilà. Et là, faut une canne bien sensible et. Oh, un genre de worms. Et je pêche les yeux fermés sur le fond, quoi. Vraiment, c'est ça, quoi. Oh, il est pas vilain, hein. Voilà. Hop là. Joli petit basse. Yes. C'est très bien là, en plus. Ouais. Puis le leurre, il va pas faire long feu là.
C'est Reigns qui fait ça. Ah, d'accord, ouais. C'est Bubbling Shaker. J'espère que j'ai le paquet parce que sinon j'en ai qu'un. Bon, j'en ai d'autres, mais. Non. Non. Voilà. Bon, ben, bon, l'heure. Allez. Voilà. Encore un joli petit bass, un peu gourmand. Là, c'est là qu'il faut vraiment avoir une canne sensible. C'est là qu'on voit l'utilité d'une canne sensible. Bon, comment je vais réussir à remettre ce leurre? C'est ça la question, il est défoncé là. Ouais, après c'est particulier. Si tu, celui qui n'a pas l'habitude, en fait il a des touches mais il le sait pas quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est vraiment ça. Si tu sens l'aspiration du poisson, ouais. Et bam, une seconde après, sanction. Parce que ça tire pas comme... Bah, ils arrivent, ils l'aspirent, ils restent sur place en fait. Ou parfois ils se décalent un peu d'un côté, donc tu vois ton fil partir. Ouais, d'accord. Mais allez, disons que 3 touches sur 4, c'est vraiment juste l'aspiration que tu sens. Ouais. C'est pas le grosse cartouche. Bah, c'est pas content. Ouais, tous calibrés. Tous. Oh, mon leurre, il est passé où? Il a volé le coup. Allez, viens par là, toi. Il y a encore un petit. Une jolie pitchoune. Hein? T'es encore accroché? Où est-ce qu'il me l'a envoyé de mon leurre, moi? Bon, j'espère que j'en ai un autre. Moment de vérité. Allez, on en remet un nouveau. Et c'est reparti. À décrocher. Ils sont là, hein. C'est fou. C'est vraiment un toc. Et ensuite, on sent plus rien. Et c'est au moment où on sent plus rien qu'il faut ferrer. Quoi. Juste un peu. Faut vraiment le laisser prendre. Là, je vais peut-être pas laisser assez prendre. Plus joli, ouais. Non, par là. En 20. C'est bon. En plus, en 23, s'il va se frotter contre les branches et les trucs, je vais peut-être me monter un peu plus gros, moi. Ah, ils sont bien, ouais. Il est bien gras, celui-là, ouais. Il est joli. Un beau bidon. C'est une très belle couleur, lui. Doucement, reste par là. Je te décroche et tu repars. Voilà. J'adore quand ils font ça.
Yes. Il arrête quoi? Il est pas gros lui. T'es en Mmh? Ouais, j'ai un bubbling shaker de chez Reins là sur une petite tête plombée. Ça fait quoi? 2 grammes 5? Ah, t'es en TT? 3 grammes? Ouais. Bon, ça va, c'est propre le fond donc. Bon, cette fois-ci, je vais passer au Reins Warm Micro. Et là, je vais en mettre un petit peu de temps. Voilà, je vais garder la grappe. Yes. Encore un joli petit qui a déjà été pris. Oh, cette touche! Il m'a fait une touche à retour. Perte de tension totale. Ah, décroché. Ouais. Enfin, ils ont une patate. Ah, de ouf, c'est pas ça. Ils sont tous calibrés à 25-30. Ouais. Il a déjà été pris, lui. Ah, bon, il est comme ça. Il est si je le mets direct à la tresse. Oh. Décroché. Je l'ai décroché. Je vais essayer de taper, de faire les petits en surface. Ça peut être fun, puisque là, maintenant. Bon, sinon j'essaye ça. Qu'est-ce que j'ai comme truc de surface? Oh, ça peut être fun. Je suis avec un streamer. Pas vilain en plus. Ouais, comme d'hab quoi. Yes, joli petit basse piqué avec un petit streamer, comme quoi. Oh, dedans là. Ça tape bien? Ouais. J'ai eu pas mal d'attaques, ouais. Tu vois? Ça marche, ça tape vraiment bien. Ça tape vraiment bien au pop. Plein milieu en plus, c'est ça qui est ouais. dingue. Mets-toi popper, Amine. Hop, parfait.